Bonjour madame. Monsieur. On vient. C'est le petit loulou de Jodogno en fait. Hein. Et en fait, on fait un. Il va s'en dire qu'on fait un hike ce week-end. Et on vient voir si vous n'auriez pas un peu de nourriture pour nous. Qu'est-ce que c'est que vous voulez par exemple? Quelque chose de bon quoi. Hein. Pas. Oui, mais moi je ne sais pas. Des biscuits. Oui, me montrer. Ils diront s'ils aiment bien de toute façon. Ah bon, c'est ça? Ouais. Bon, allez, je vais voir. Allez. Merci. Je vais faire pipi. Qu'est-ce que j'entendais que tu demandais? Que je vais pisser. Tu vas pisser? Bah, pisse. Viens par ici. Non, on l'essaye. Mais par de l'autre côté, avant de venir dans le bateau. Viens par ici. Tu non. Fais le tour par là. Parce que par là, ça va sentir. Sinon, tu peux faire ici. Hein. Fais le tour derrière la maison. Allez, viens où est-ce ici? On l'essaye. Ils sont déjà occupés. Dites, merci pour les conserves, mais c'est tout ce que vous avez. Les petits n'aiment pas ça, on n'a pas autre chose. Pour 12, deux petites boîtes, c'est pas grand chose. Hein. Parce qu'on dit toujours, c'est ceux qui ont le plus qui donnent le moins quand on voit vos voitures. Parce qu'en plus, je vois deux plus une gratuite, quoi. Donc en plus, vous les avez reçus. Ça fait 3 ans que c'est plus bon. Hein. Ah bon? Ah, mais je n'ai pas bien, parce qu'avec mes lunettes. Ça, c'est pas bon. Ah non plus. Ah bon, bah alors, madame, c'est tout est périmé. Ah bon, peut-être. Tant pis pour moi. Je mets bien tous ces biscuits. Moi je n'ai rien d'autre à vous donner, hein. Ouais, bon, enfin, faut dire que. Quoi, ils n'aiment pas? Vous aimez bien ça? Non, alors, moi je ne sais rien donner d'autre. C'est ceux que vous mangez pas, ça? Bon, ben maintenant je vais donner, je suis dans mon armoire. Ah ben donnez-moi-les s'ils les aiment pas. Bon, je vais toujours les garder à la limite pour chez moi, ah, ça. Non, donnez-moi-les. Attendez. Non, c'est inutile, donnez-moi-les. Enfin, monsieur. Mais madame. S'il vous plaît, on m'a dit que ce n'était pas bon, je l'ai vu. Bon, c'est clair que c'est. Pas d'être très. Si. Comment c'est pas d'être? Mais qu'est-ce que c'est que vous voulez par exemple? Des frites? Caroline. Des bonbons? De l'argent alors? Pour que faire de l'argent? De l'argent non. Et on demande pardon s'il vous plaît. Pardon. Pardon qui? Pardon madame. Ah madame comment? Je sais pas. Comment? Non. Madame non. Madame non. Non. Parce que vos parents vont le savoir hein. Si j'avais su, je ne vous aurais certainement pas ouvert. Moi non plus. Et c'est la dernière fois que vous venez avec moi. Stop. Bande de con. Et là. Oh. Oh. Ça va pas dans la tête. Vous m'énervez. Oh. Oh. Stop. Oh. Champs-Élysées. Oh. Champs-Élysées. Oh. En fait, on voulait vous pousser la chansonnette. Ah, ben c'est bien ça. Vous êtes prête? Ça va très vite, c'est une chanson courte. 1, 2, 3. Balibalos, c'est sa moto. Balibalos, c'est sa moto. Il fait du sang en dessous de zéro. Il fait du sang en dessous de zéro. Ah, ben c'est bien. Dans un putain de dérapage. Dans un putain de dérapage. Il encule à son embrayage. Il encule à son embrayage. Ah, balibalo. Ah, Balibalo. Balibalo est un salaud. Bonjour monsieur. Je voulais savoir s'il était possible d'avoir un peu de bouffe pour les scouts en fait, pour les louveteurs. Je n'ai rien pour vous donner, monsieur, que je vous donne moi. Rien du tout, non. Ah, carrément. Et pourquoi? Je ne donne pas. Ah, vous prenez, mais vous ne donnez pas. Tout ce qu'on me donne, je le prends, mais je ne donne rien. Ça va dans un sens, mais pas dans l'autre. Voilà, oui. Vous avez compris. Si on vous vend... Parce que si vous donnez, c'est deux œufs. Bonjour. On pourrait avoir des cigarettes et de la bière. J'ai pas de cigarettes, moi. Vous n'avez pas un peu d'alcool? On va le donner à notre chef. Il n'a pas de culotte à venir lui demander lui-même. Vous avez déjà donné quelque chose? Non. Hein? Je donne pas de l'alcool ou de la bière à des jeunes enfants. Non, c'est pour moi. Ça ne vous inquiétez pas. T'es un peu surpris. Non, enfin, je veux bien avoir des cigarettes ou de la bière pour moi. Je n'ai pas de cigarettes. Je ne fume pas. Et de la bière? C'est bon aussi. Vous allez faire avec ça? Non, c'est pour moi. C'est parce que j'en ai pu avoir l'avantage de promener et raconter des histoires. Ah, vous voulez un petit verre comme ça? Ouais. Ça vous ennuie si je me réchauffe un peu à l'intérieur? Voilà. Non, monsieur, ça je regrette. Hey, je ne suis pas un truc, hein, moi. Maintenant, vous sortez, j'en ai assez. Oh là là! On peut même pas faire de feu dans le jardin et puis on veut rentrer, vous voulez pas? Sortez maintenant, s'il vous plaît. Et si vous ne sortez pas vite assez, j'appelle la police. Hein. Allez, hop, dors. Non. Merde. Brouille. Ça t'a frais, hein? Est-ce que vous aimez bien les œufs?
ils n'aiment pas les œufs. Eh bien, vous me les rendez, en gros. Il n'y a rien avec ça. Hein. C'est un peu radin. C'est un peu radin. Gradin ? Moi, je dois manger au soir, hein. Et ta parente, ça part te donner à manger, toi. Qu'est-ce que t'as dit ? Je trouve que monsieur est radin. Il méritait de ne pas en avoir un, hein. Et que j'ai tout ici à la porte, tiens. Après ton éducation, aussi encore, hein. Et pour le cœur, directement, tiens. Oh, magnifique, c'est magnifique. Je pense que ça, il est encore bon. Il date de... pas l'année, hein, quand vous l'avez ouvert. Je sais plus quand je l'ai ouvert, 2 ou 3 jours. Vous pouvez déjà à côté demander s'ils ont pas de la bière et des cigarettes. Alors. Je vous rejoins. Ah, voilà, vous avez encore un merci. Peu. Merci. Qui trouve que monsieur Radin est encore ici? T'as honteux de dire ça à ton âge, t'as quel âge? 11 ans. Eh bien, nom de Dieu, t'es un fameux gangster, hein, pour moi. Dire ça à 11 ans, coupe plus au cul que tu devrais avoir. Gradin, moi, je travaille tous les jours, hein, si encore, hein. Et maintenant, tu fous le camp avec tout ta bazar, là. Ah non, c'est... Pourquoi t'as dit radin? Bon, allez. Attendez. Non, je ne vais plus mais te voir. Mais vous avez raison, attendez. Vous avez raison, hein. Si je ne vous vois pas, rendez-vous à la meute, hein, au local, hein. Ouais. Avant 6 heures, hein. Voilà. Moi, j'ai la paix. Et s'il leur arrivait quelque chose? Ils connaissent, hein, ça ne ferait rien leur arriver grand-chose. Et une voiture qui pourrait les renverser Ça, je décline toute responsabilité. Hein. Pourquoi il part? Parce qu'il va chercher de la bière et des cigarettes pour moi. Qu'est-ce qu'il fait? Ça vous ennuie si je rentre un petit peu parce que j'ai froid? Pourtant, il ne fait pas froid aujourd'hui. Non, je dis ça parce que vous êtes mignonne. Tu vois, Leslie, les scouts, c'est pas un exemple. Vous êtes une bande de fous. Ça, c'est une bande de fous, ça veut dire. Ah, voilà. Je comprends, allez. Mais ce que je voulais vous dire, alors déjà, on va attendre que les voitures soient passées, parce que... comment ça m'énerver. Oui. Allez, vas-y. Allez. Vous osez partir avec un chef pareil? Je vais m'énerver sur tout le monde ici, hein. Je continue. Est-ce que vous vous avez entendu justement gueuler? Mais je me fais respecter. Mais c'est pas comme ça qu'on se fait respecter. Vous avez vu comme les voitures sont parties quand ah je oui, dis... ça c'est vrai. Vous avez énormément d'autorité. Ouais. C'est qui le chef ici? Toi. Ah bah, ils vont nous dire le contraire. Ah, ouais. Derrière votre cul, ils disent... Est-ce qu'il y a un qui a derrière vous? Ben, ils vont pas vous le dire. Ils ne vont pas vous le dire, mais ils le pensent, les pauvres petits. Est-ce que vous m'aimez bien? Oui! C'est mignon. Sous la contrainte. Ben sous non. La contrainte. Ben non. Est-ce que vous m'aimez bien? Non. Oh. Voilà. Allez faire un feu. Vous pouvez faire un petit feu ici. Non, un non, non, hein. Non, non, il n'en est pas question et maintenant vous partez. Vous pouvez faire un petit... Non, je dis non. Un petit feu. J'ai dit non et maintenant vous partez. Quand je vous dis que non, qu'on ne peut pas faire un feu et que vous dites oui, vous pouvez faire un petit feu, alors vous m'écoutez et si vous voulez montrer le bon exemple, eh bien vous partez. Oh, mais c'est parce qu'on peut quand même manger ça ici. Non. Vous n'auriez pas un autre problème? Non. Mais je réfléchissais pour le grand camp. Vous ça... ne devez pas réfléchir, je vous ai dit non. Ça, ce qui serait bien... Oui, ça y est, c'est quelque chose pour rigoler. Oui. Ça va, vous êtes parvenu à me foutre en boule. Je vous remercie. Je me souviendrai de votre bande, savez-vous? Eh bien, vous vous verrez quand vous vous en souviendrez. Vous l'avez remercié. Il fallait le temps, hein.